Bonjour, j'ai aimé ce livre. Carl Gustav Jung, Dialectique du moi et de l'inconscient. Le jeu dynamique entre le moi et l'inconscient constitue le flux et le reflux fondamental de la vie. La contribution décisive de Jung sera la notion de processus d'individuation. L'inconscient est une machine vitale. L'inconscient renferme dans ses couches profondes des matériaux collectifs, vivants et agissants. L'inconscient collectif. Certains disparaissent dans leur rôle social, d'autres par leur vision intérieure, attraction exercée par une image collective. Plus un corps social est petit, plus est garantie l'individualité de ses membres. L'individuation étant la réalisation de son soi. Lao Tzu, le haut repose sur le bas. Le philosophe et génie a élevé une vision à la dignité d'une idée abstraite. C'est dans la victoire remportée sur la psyché collective que réside la vraie valeur. La conquête du trésor ou autre bien suprême. L'homme est tenté de conquérir la femme qui correspond le mieux à sa propre féminité inconsciente. La société exige comme garantie et de sécurité que chacun demeure à sa place et se cantonne dans son domaine. Le soi est Dieu en nous, où jaillit toute notre vie psychique, et c'est vers lui que tend tous les buts suprêmes et derniers d'une vie. Carl Gustav Jung, Dialectique du moi et de l'inconscient. Lisez-le. Merci.